بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. Je vais aujourd'hui faire une vidéo concernant, une audio concernant les prostrations obligatoires du Saint-Coran. C'est basé sur un texte venant des Mukhalifines, notamment de les fatawas du comité permanent des recherches scientifiques de l'IFTA dans le royaume d'Arabie Saoudite, de l'Arabie Mohammedienne. Et par la suite, je donnerai la position des Ahlul Bayt concernant cela, de nos fuqaha. Donc là, en premier lieu, je vais lire la question, je vais donner la réponse de ce qu'il donne, et après, question par question, puisqu'il y a plusieurs questions, je répondrai en donnant la position des Ahlul Bayt, alayhum salam. C'est la question numéro 1, la fatwa numéro 9841, le quatrième volume, la page 146. Quelles sont les questions qui sont posées sur ce sujet-là? C'est celui qui est en train de réciter le Coran, tombe sur un verset requérant la prosternation. Doit-il être purifié pour faire la prosternation ou pas? Est-ce que celui qui récite le Coran et ceux qui prêtent l'oreille à cette récitation doivent-ils faire face à la Qibla? Doit-il faire face à la Qibla en se prosternant ou pas? Est-ce qu'on doit prosterner à chaque prosternation mentionnée dans le Coran? Ou y a-t-il certains versets où la prosternation n'est pas requise? Quels sont les versets requérant la prosternation? Donc la réponse de comité de fatwa, que la louange soit exclusivement à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur l'envoyé d'Allah, sur sa famille, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et sur ses compagnons, puisque c'est une salawat invalide, comme vous savez très bien. Walbard, Amabard, ça dirait ensuite. Premièrement, nous avons déjà émis une fatwa sur la prosternation à faire pendant la récitation du Coran, qui porte le numéro 1500. Donc voici le texte. Donc là, c'est la réponse venant des Mukhalifines. Certains ulama considèrent la prosternation comme la prière et déduisent donc que la purification, le fait de prendre la direction de la Qibla, le takbir, la proclamation de la grandeur d'Allah en se levant et les salutations finales sont obligatoires pour faire une prosternation. Il y en a d'autres qui trouvent qu'il s'agit d'une pratique cultuelle, mais que ce n'est pas une prière. Selon son groupe, la purification, le fait de prendre la direction de la Qibla, etc. ne sont pas obligatoires. Cette dernière opinion est la plus prépondérante, car nous ne disposons pas de preuves sur l'obligation de se purifier et de faire face à la Qibla en accomplissant cette prosternation. J'y reviendrai, mais ça c'est une position qui vient aussi dans Ahlul Bayt, alayhum salam. Cependant, s'il vous est possible de se diriger vers la Qibla en se prosternant et d'être purifié, ce sera meilleur afin d'échapper à la discorde des ulama. Chez nous, on ne dit pas cela, mais on va revenir là-dessus. Deuxièmement, les versets coraniques requérant la prosternation sont au nombre de 15, ça selon les Mukhalifines. Il y en a à la fin de la sourate Al-Araf, dans les sourates de Rad, El-Narl, El-Isra et Mariam. Il y en a deux dans la sourate Al-Hajj et d'autres dans les sourates El-Furqan, El-Naml, As-Sajda, Sa'd, Fusilat, El-Najm, El-Ishiqat, Inshiqaq, El-Insan. Et c'est Allah qui accorde la réussite que la paix et la bénédiction d'Allah, donc les salutations habituelles venant des Mukhalifines. Là, on peut remarquer que en réalité, non, il y a certains versets qui, effectivement, font partie de nous, font partie de exactement de ce qu'on dit nous, sauf que nous, pour nous, il y en a quatre qui sont obligatoires. J'y reviendrai. Je vais détailler un peu plus. Donc là, dans la réponse nous concernant, donc dans la première question, quelle était la première question? Si celui qui est en train de réciter le Coran tombe sur un verset requérant la prosternation, doit-il être purifié pour faire la prosternation ou pas?
Non, il n'a pas besoin d'être purifié. C'est les prosternations obligatoires. Hein. Est-ce que celui qui récite le Coran et ceux qui prêtent l'oreille à cette récitation doivent-ils faire face à la Qibla en se prosternant ou pas? Il y a une obligation même pour celui qui est à côté. Hein. Donc celui qui récite le Coran et ceux qui prêtent l'oreille, ce n'est pas obligatoire qu'il se soit en direction de la Qibla. Si on la connaît, la Qibla, on peut se mettre en direction de la Qibla, ça ne mange pas de pain, comme on dit. J'ai une remarque à faire, c'est une petite anecdote. Le père de. Donc c'est Mohamed Baqir al-Majlisi, le fils de donc l'auteur de Béhar et la Noire, qui relate cette histoire de son jeune âge. Son père, Mohamed Taqi al-Majlisi, Mohamed Taqi al-Majlisi, quand il avait besoin de Mohamed Baqir al-Majlisi, donc le fils, en jeune âge, ou bien il voulait le réprimer ou quelque chose comme ça, pour que Mohamed Baqir al-Majlisi, rahmatullah alayh, parte, pour qu'il se sauve, pour pas que son père, Mohamed Taqi al-Majlisi, rahimallah, le réprime, ou bien quand il a besoin de lui, il récitait le verset qui incluait la prosternation. Donc comme que lui, il n'était pas encore mukallaf, ce n'était pas une obligation pour lui, donc il récitait ces versets, et donc son père était obligé de se prosterner, puisque quand on l'entend directement, non pas quand on l'entend dans une cassette, dans un CD, bon maintenant c'est plus des cassettes, dans un CD, dans un MP3, quelque chose comme ça, on n'est pas tenu à se prosterner. Mais si quelqu'un, avec sa voix, il prononce le verset de la prosternation, on doit le dire. C'est pour ça qu'il est interdit de réciter les sourates dans le Saint-Coran qui incluent une prosternation obligatoire. On parle des prosternations obligatoires, on ne parle pas des prosternations recommandées. Pour nous, il y en a quatre. Donc la question, est-ce que celui qui récite le Coran et ceux qui prêtent l'oreille à cette récitation doit-il faire face à la Qibla en se prosternant ou pas? Non. Non. Il n'y a même pas de recommandation d'être en direction de la Qibla, ça n'existe pas. Mais par contre, si on est en. Il n'y a pas de mal d'aller de se mettre de se mettre en position de la Qibla, c'est meilleur. Est-ce qu'on doit prosterner à chaque prosternation mentionnée dans le Coran ou y a-t-il certains versets où la prosternation n'est pas requise? Il y a certains versets où c'est recommandé de se prosterner et d'autres où c'est obligatoire. D'ailleurs, je pourrais vous montrer. Il y a un signe en fait. Et d'ailleurs, le monteur de celui qui. Je lui demanderai qu'il mette un verset où c'est obligatoire de se prosterner selon nous. Et comme ça, il vous montrera donc le signe particulier qu'il y a à la fin du verset pour montrer que c'est soit recommandé de se prosterner, soit obligatoire. Nous, on connaît que c'est obligatoire, mais dans les cinq Corans, ce n'est pas indiqué la différence. Donc quand on voit ça, on peut se prosterner. Par contre, ouais, c'est bien de connaître les quatre endroits, parce que comme ça, on se prosterne, si on est en train de lire le Coran, par exemple, dans un train ou autre, on n'est pas obligé de se prosterner à ce moment-là. Si effectivement, c'est une prosternation recommandée. Après, il y a des manières de faire la prosternation, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, ce n'est pas notre sujet. Mais là, c'est la prosternation connue, voilà, connue. Est-ce qu'on doit se prosterner à chaque prosternation au Saint-Coran? Est-il certains versets? Voilà, ce n'est pas obligatoire de se prosterner, c'est les quatre versets. Quels sont les versets requérant la prosternation? Nous y arrivons. Nous y arrivons. Donc les versets où c'est obligatoire de se prosterner, le verset 15 de la sourate 32, c'est la sourate Estajda. Le verset 38 de la sourate 41, c'est la sourate Fussilat, qui commence par Amin, Sajda. Le verset 62 de la sourate 53, An-Najm, donc la sourate de l'étoile. Le verset 19 de la sourate 96, El-Halaq. Donc El-Halaq, c'est l'adhérence. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a comme précision? On doit se prosterner immédiatement après la fin de la récitation du verset. Si on oublie de le faire, on doit le faire dès qu'on se souviendra de cet oubli, parce que c'était obligatoire. Par contre, si quelqu'un, il n'a pas fait exprès d'entendre ce verset, il passait par là, il entend involontairement, c'est pas obligatoire pour lui de faire la prosternation. Par contre, s'il écoute d'une manière attentive ce que la personne était en train de réciter, c'est obligatoire. Mais c'est recommandé qu'il le fasse si il entend par inadvertance. Après, en vérité, si quelqu'un il entend le verset de la prosternation et qu'il le récite également lui-même,
Il doit, après caution obligatoire, effectuer deux prosternations. Il fait une première prosternation, après il se relève et après il refait une autre prosternation. Quelle est la récitation recommandée? Il n'y a pas de récitation recommandée. Il y a une récitation recommandée, mais quelqu'un il peut juste faire le geste de la prosternation et arrêter là. Mais il reste quand même qu'il y a une prosternation recommandée qui est une récitation recommandée qui est de dire La ilaha illallah haqqan haqqa, La ilaha illallah imana wastasdiqa, La ilaha illallah ubudiyatan wa riqa, Sajadu laka ya Rabbi ta'abudan wa riqa, La mustakiran wa la mustakbiran, ba alana abdun dalila, da'ifun khaifun mustajir. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite audio. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.